Alors, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que beaucoup de pères, je dirais, entre guillemets, viennent me voir pour faire Aqd Zawaj. Aqd Zawaj pour son fils ou pour sa fille ou pour. Jusque-là, Alhamdulillah. Zawaj, c'est min sunnati min sunanillah, subhanahu wa ta'ala. Lakin Zawaj, il a des conditions, il a des piliers, de shurut. Ok. Quand on demande au père, est-ce que vous faites la mairie? Il dit, oui, dans un an. L'air. Là. من أركان الزواج أيها الإخوة من أركان الزواج كما قال العلماء أركان الزواج في الإسلام أربعة اليوم أصبحت خمسة وش هي الولي لا زواج إلا بولي on peut pas marier une fille sans qu'il y ait son tuteur وإن كان مذهب أبو حنيفة bon mais je vais pas m'étaler sur ça لأن مذهب أبو حنيفة يقول autre chose لكن عند جمهور العلماء لا زواج إلا بولي pourquoi parce que l'homme est raisonnable, si vous voulez. La femme est affective, tout simplement. Une bint qui a 20 ans, quand elle discute avec son prétendant, elle ne réfléchit pas de manière comme son père, si vous voulez. Pourquoi? Et son père, c'est un homme, il connaît les hommes. L'amr thani, l'wali, l'amr thani, la dot, ok? L'mahr, barakallahu fik. La yumkim. Et si vous voulez, hein, si on veut comparer, c'était son assurance pour la femme. Parce que là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, quand il y a une séparation alors qu'il n'y a pas eu de consommation de mariage, même si eux, ils te disent, non, ne donne pas, ils te demandent une dot, par exemple, un mushaf, donne-toi quelque chose, donne quelque chose, donne quelque chose. Et le mahr, c'est-à-dire le dot, le législateur n'a pas fixé la limite de la dot. La troisième chose, shahidayn adlayn. Shahidayn adlayn muslimayn. Shahidayn adlayn muslimayn. Le rabi'a, c'est quoi? L'ijab ou l'kaboul, la demande et l'acceptation. Et vous allez voir, donc le zawaj, c'est quoi? C'est une parole. Le talaq, c'est une parole. Le zawaj, c'est une parole. Le talaq, c'est une parole. Et shahada, c'est une parole. Tu rentres en islam par une parole. Et tu sors de l'islam par une parole. Des fois, on dit quelque chose qui peut nous sortir de l'islam, sans se rendre compte, les frères. Donc, on a dit ces quatre choses, l'ijab ou al-qaboul. Donc, quelqu'un, il demande la main de la fille en citant la fille. Et l'autre, il lui dit, je te marie ma fille à ton fils, en citant aussi la fille, devant al-jama'a, ala sunnatillahi wa rasoulih. Le cinquième pilier, c'est quoi? Hifz al-huquq wa al-ikhwa, la protection des droits. La protection de droit, si tu ne veux pas passer à la mairie, passe devant le notaire. Il faut que tu notifies. Et j'arrête pas d'expliquer, je le dis, mais les gens, quand on leur dit, ils ont l'air... c'est quoi ça, Timam? Alors, je vais vous dire autre chose. La loi française interdit à un ministre du culte. Un ministre du culte, c'est un imam, un rabbin, un curé, de célébrer un mariage s'il n'a pas au préalable, si les mariés ne sont pas passés devant monsieur le maire, s'il n'y a pas d'acte civil. Je n'ai pas le droit. Qanounen. Dans la loi, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui jouent. Vous allez me dire, non, 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 t'inquiète pas, le gars est sérieux. Oui, 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 il est sérieux. Mais puisqu'il est sérieux, pourquoi il a peur de passer devant la mairie? Il est sérieux. Il n'y a pas de problème. Donc, puisqu'il est sérieux, on passe devant la mairie. Donc, on protège les droits de la femme et les droits de l'homme aussi. Combien de femmes se marient quand elle est enceinte, elle s'en va. Donc, ça, c'est... C'est très important, yuhal ikhwa. Donc, aqd al-zawaj, s'il n'y a pas d'acte civil, sachez-le, il faut qu'il y ait un acte civil pour protéger les droits de chacun.